Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec mes cheveux en pétard. C'est pas grave, on s'en fout. Je vous fais cette petite vidéo pour vous montrer, comme vous avez vu dans le titre, j'ai reçu donc mon cutter électrique grâce à vous les filles et grâce à vos clics sur Utip. Donc je vous remercie énormément, je vous fais plein de bisous à toutes celles qui l'ont fait. Donc j'ai reçu aujourd'hui donc de chez Amazon mon cutter et je suis contente. Donc là bon, j'ai enlevé du carton parce qu'il y avait d'autres choses de chez Amazon, mais je ne l'ai pas encore déballé. Le voilà. Donc en plus il a cette belle petite pochette, voyez. Et en plus bon, j'ai eu du bol parce que quand je l'ai commandé avant-hier, en plus ils devaient me livrer demain, ils m'ont livré aujourd'hui, donc c'est super. Le prix était en promo, donc youpi, j'ai gagné 10 euros encore sur le prix, donc c'était super. Donc, je vous dis encore un grand, grand merci à toutes celles qui ont cliqué sur les pubs de Utip. Donc, vous retrouvez le lien en barre d'infos, vous retrouvez le lien sur ma bannière. N'hésitez pas à aller cliquer sur les publicités, donc sur Utip. Ça ne vous coûte rien du tout en argent. Ça vous prend 5 minutes de votre temps sur la journée parce que, bon, vous pouvez cliquer jusqu'à... Bon, en ce moment, c'est un peu rare, mais vous pouvez faire jusqu'à 10 publicités par jour. C'est des trucs qui durent 20 secondes. 20 secondes, 30 secondes. Donc, ça va très, très vite. Donc, tant que vous pouvez cliquer, vous cliquez. Maximum, c'est 10. Et ça me ramène dans ma cagnotte 54 ou 5 centimes à chaque fois. Voilà. Et c'est ce qui me permet bah, du coup de pouvoir avoir des jolies choses comme ceci. Voilà. Et donc vous pouvez aller voir dans la communauté ici sur YouTube. Donc quand vous allez sur en dessous de ma bannière, vous avez communauté. Et vous verrez, j'ai remis le lien aussi avec mon nouveau vœu. Voilà, le nouveau vœu que je souhaite avec la cagnotte du type. Voilà. Donc, à vous, ça ne vous coûte rien. Du tout, du tout. Alors, par contre, je voulais remercier une personne qui est... Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas du tout qui c'est du tout, du tout, du tout. Elle a fait un paiement direct sur Utip. Bon, il y en a une deuxième qui l'a fait aussi. Là, je sais qui c'est. Hein, on s'est parlé toutes les deux. Mais là, il y en a une qui a fait un paiement, donc un don sur Utip pour moi d'une quinzaine d'euros. Oui, pas d'une quinzaine d'euros, mais 15 euros, si je ne me trompe pas. Donc, j'ai pas pu remercier cette personne directement, puisque je ne sais pas qui c'est. Donc, si cette personne passe devant la vidéo, eh bien, écoute, je te remercie énormément d'avoir fait ce don sur Utip pour moi. Voilà. C'est très gentil à toi. Merci beaucoup. Voilà, donc ça, c'est une possibilité aussi que vous avez sur Utip. Mais ça, je n'en parle jamais puisque je ne demande pas que vous fassiez des dons. Voilà. Vous le faites si vous voulez, mais je ne demande pas. Moi, tout ce que je vous demande, c'est d'aller cliquer sur les publicités qui sont gratuites pour vous. Voilà. Et comme je vous dis, ça me permet de m'acheter des petits lots comme ça. Voilà. Donc, on va l'ouvrir. Je vais bouger la caméra pour l'ouvrir. J'espère qu'il y aura assez de charge dedans parce que je crois que c'est sans fil normalement. Et on va faire un petit essai.
Pour voir comment ça fonctionne. Alors là, déjà sur le carton, je vois que l'épaisseur maximum de coupe, c'est pour du 6 mm. Donc 6 mm, on peut y aller, hein. Moi, je fais du 3 mm. Et des fois, j'ai du 4 mm. Quand je double mes cartons. Mais en moyenne, ça, je vais toujours couper du 3 mm ou du 2. Et la batterie, je peux couper jusqu'à 150 mètres. Donc c'est bon, je peux y aller. Allez, je vais ouvrir ça et je vais changer la caméra de place. Je vous baisse. On n'a pas peur. Alors attendez, je vais vous laisser. Je vous éteins, je vous rallume tout de suite. Donc voilà. Donc, le cutter est dans, comme je disais, dans une poche, une belle poche en tissu. Donc, la marque, c'est Bosch. Il y en avait des moins chers, hein, mais tant qu'à faire, je voulais quelque chose qui est de solide. Voilà. Alors, il y a plein de petites choses là-dedans. Bon, déjà, il y a le chargeur. Ça, je ne sais pas. Ah, ça doit être le support pour charger, je pense. Donc, je ne sais pas ce que... Bon, on va voir. Il y a la notice, hein, de toute façon. Et voilà, le cutter. Oups, on ne va pas le faire tomber déjà. Ça va, il est léger quand même. Donc, et là, oui, il y a de la batterie dedans. Alors là, faire attention aux doigts. On va l'éteindre pour l'instant. Donc, j'ai une notice. Inscrivez-vous maintenant pour bénéficier de 3 ans de garantie. Ah, bon, je regarderai ça alors. Le faire parce que la garantie c'est toujours bien. Et là, alors ça, j'aime bien les modes d'emploi, c'est toujours trouver la partie en français. Ah d'accord, alors ça c'est, ça se pose comme ça, je sais pas ce que c'est, vous voyez le petit truc noir comme ça, voilà ça. Mais bon, je ne sais pas. Bon, là, ils expliquent pour la démonter, pour... Bon, la partie en français, s'il vous plaît. Alors, j'ai... Là, c'est l'anglais... Ah, français, voilà. En français... Bon, les avertissements, ça, sécurité des personnes. Ce chargeur n'est pas prévu pour être utilisé par des enfants, ni par des personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel, mental, ou manquant d'expérience ou de connaissances. Ah. Ben oui, on ne va pas donner ça dans les mains de n'importe qui quand même, hein. Enfin, c'est le chargeur hein, qui parle. Il ne parle pas du cutter. Mais bon. Bon, ça, c'est toutes les... Ne pas laisser les enfants sans surveillance. Bon, tout ça. Alors, mise en marche, déverrouiller. Ça, ben, j'ai déjà trouvé comment ça allait. Bon, ce que je vois, oh ben c'est tout ce qu'il y a comme notice. Marquage du tracé, la ligne rouge sur le capot de protection. Ah oui, il y a... D'accord.
Donc moi je vais faire ma ligne sur mon carton. Je regarde que je n'ai pas à brancher. Et ma ligne de carton, alors je dois me repérer ma ligne qui sera sur le carton, donc ici, hein, je dois la repérer avec la ligne rouge qui est là. D'accord, donc ça c'est mon viseur. Et si je force trop, ça va clignoter. J'aime bien, c'est parce que là, oui, ici, c'est pour dire qu'il n'y a plus de charge, hein, qu'il faut le remettre en batterie. Ils ont mis une pompe à essence en dessin. Ils ont fait une pompe à essence. Bon, donc il n'y a pas l'air d'y avoir rien de compliqué, hein. Bon, ça, je vais le ranger, je lirai mieux après. Ça, je vais le re-ranger là, je regarderai après. Le chargeur, j'en ai pas besoin tout de suite. Donc, je vais prendre un carton, je vais prendre dans mes chutes, hein. Voilà. On va faire un prix. Si on va se faire un trait. Là, j'ai pris du 3 mm pour faire mon essai. Alors, j'avais un crayon gris. Hein. J'ai travaillé un peu sur la commode juste avant. Alors, du coup, c'est le box. Voilà. Je vais montrer ici. Donc j'ai un... Pour l'instant, j'ai peur d'appuyer sur le bouton. Vous voyez, il y a une... Là. Donc je dois poser le carton dessus, je pense. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment. Bon. On y va les filles? Je compterai mes doigts à la fin. Il n'y a peut-être pas assez de batterie. Hein. Ouais, j'ai pas assez de batterie, je crois. Ah, j'ai déjà tout coincé. Super. Je crois que je n'ai pas assez de batterie. Alors, attendez. Je vais voir. Je regarde. Hein. Quand on a un truc nouveau, on ne sait jamais tout de suite comment ça fonctionne. Bon, déjà, si je fais les nœuds, ça ne va pas le faire. Bon, je pense pas qu'avec la prise ça va le faire. Alors attendez, je vais couper là. Hein. Je sais pas comment couper. Ah oui, bah avec la prise on peut pas. Et avec quand la prise est mise, on peut pas. Donc je vais réessayer avec un carton plus fin puisque je n'ai pas assez de batterie.
Bon, là, j'ai pas fait le trait, donc j'ai pas été droite. Mais avec... Je vais fermer la sécurité. Mais avec un peu plus d'entraînement, un trait et plus de batterie, je pense que ça ira. Mais en tout cas, ça fait pas de déchirure. Regardez. Vous voyez, il n'y a aucune déchirure sur mon carton. Donc, c'est déjà pas mal. C'est super. Donc, voilà. Donc là, je vais le mettre à charger. Je vais remonter un peu. Donc, je vais le mettre à charger pour 5-6 heures. Là. C'est bon, il charge. Et je referai des essais, je vous montrerai. Mais là, bon, ça va. Mais là, je crois que sur le 3 mm, c'est parce qu'il n'y a pas assez de batterie. Mais sinon, ça a l'air d'aller bien. Bon, sauf qu'il faut que je coupe droit. Et là, j'ai pas fait de trait, hein, donc j'ai vraiment coupé au pif. Donc, je ne vais pas perdre mes chutes. Hein. Voilà. Pour mes chutes, moi j'ai un carton. Je vous montrerai ça dans la vidéo débutant. Donc voilà. Bah, écoutez, je suis super contente. Hein. Je vais m'entraîner avec sur mes chutes avant. Et puis, je vais voir. Comment ça fonctionne, je vais bien lire la notice et tout. Mais en tout cas, donc voilà. Voilà la bête. Donc je suis contente de l'avoir. Là, je regarde si j'ai. Ouais, ça va, j'ai mis la sécurité. Je n'aurais pas avoir un doigt en moins. Ça la foutrait mal. Donc je suis contente. Merci, encore merci à vous les filles. Et puis, comme je vous ai dit, donc vous retrouvez le lien du type un peu partout. Hein, parce que là, j'ai mis vraiment partout sur mon Facebook. Sur mon Facebook, il y est deux fois. Donc sur ma page et sur mon mur. Je le remonte régulièrement. Vous le retrouvez ici, donc en barre d'infos. Dans ma bannière YouTube et sur la dans mes messages de la communauté. Voilà. Donc cliquez, 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 plein de clics sur les publicités. Ça vous prend vraiment pas beaucoup de temps. Ça vous prend 20 secondes par publicité. Moi, et puis bon, je dis en grand maximum, ça vous prend 5 minutes sur la journée. Prends le petit déjeuner le matin. Voilà. Moi, c'est ce que je fais avec le. Parce que je le fais aussi. Hein. Moi, c'est ce que je fais avec le compte à mon chouchou. Voilà. Pendant que je prends mon petit déjeuner, je pique son téléphone et puis je le fais. Voilà. Sinon, ben voilà. Merci pour Utip et bien pour vous montrer donc ce que donc j'avais commandé avec ça. Voilà. Donc n'oubliez pas, allez cliquer tout plein, tout plein, tout plein. Faites plein de clics pour que je puisse commander mes nouveaux souhaits. Donc mes nouveaux souhaits, c'est les ah, comment on les appelle? Les crop deals. Je crois que c'est ça qu'on dit leur nom. C'est les grandes perfos pour mettre les. Ah, les œillets, tout ça. Mais vraiment la très grande, qui peut aller vraiment très loin sur la page. Il y a le nom en anglais, mais bon, je l'ai mis sur le lien. Et la plus petite, la pince comme ça. Donc ça, c'est mon prochain souhait. Donc, grâce au clic des pubs, voilà, c'est ce que je voudrais commander. Donc sur Amazon, certainement, je pense. Parce que bon, ben, je commande. En ce moment, je commande surtout sur Amazon. Donc voilà.
Alors encore un grand merci à toutes. Je vous fais plein de gros bisous et je vais m'entraîner à dompter la bête. Et là, je vais la laisser charger, comme ça demain je regarderai pour mieux m'en servir. Parce que là, bon, il n'y a pas de y a pas assez de batterie, hein, donc elle n'a pas assez de puissance pour montrer ce qu'elle vaut vraiment. Je vous referai peut-être une vidéo. De toute façon, je vous referai une vidéo hein, pour comment elle fonctionne bah, pendant le découpage d'une boîte. Voilà. Et là, bah, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vais vous faire des gros gros bisous. Bon, la vidéo n'est pas trop longue, ça va aller pour vous. Elle a moins de 20 minutes. Comme ça, j'espère que vous aurez la vidéo très très vite. Je vous fais des gros gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous bisous. Et encore un grand merci à toutes. À bientôt.